Il y a une sorte de griserie à un moment donné. Et ceux qui sont venus, qui ont rencontré les deux ministres sur notre plateau, sont allés très loin. Et à un moment, on les interroge un peu avant. Et il y en a un notamment, on lui dit, il faut aller très loin, il faut aller jusqu'à l'Élysée. Enfin, ça, c'est avant qu'Éric Drouet ne le dise sur le plateau. Mais l'autre homme le dit. Et je lui dis, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer à l'Élysée, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va gouverner. Mais on va prendre le pouvoir. Et là, c'est vrai qu'on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai qu'il y a un sentiment très étrange qui nous saisit, parce qu'on se dit, mais qui sont-ils pour le faire? Et puis surtout, eux-mêmes y croient, quoi. Et donc, c'est inquiétant pour eux aussi, parce que ça va être déçu, parce que ça ne peut pas se produire de cette façon-là. Ou alors, on est dans un putsch, on est dans une autre histoire. Et donc, on sent bien... Qu'effectivement, il y a une forme de convivialité extraordinaire. Il y a une forme de sorte, la fin de la solitude de tous ceux qui sont sortis sur les ronds-points, qui ont retrouvé le même malaise, la même désespérance chez les autres. Donc, il y a, voilà, cette solidarité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui disjoncte, où tout le monde se dit un peu n'importe quoi. Et donc, du coup, qui s'entretient, qui s'auto-entretient. Les prochains coups, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Et c'est vrai qu'on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai qu'on se dit, mais qui sont-ils pour le faire? Et puis surtout, eux-mêmes y croient, quoi. Et donc c'est inquiétant pour eux aussi, parce que ça va être déçu, parce que ça peut pas se produire de cette façon-là, ou alors on est dans un putsch. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et puis il y a aussi quelque chose qui disjoncte. Tout le monde dit un peu n'importe quoi. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe.